Le Congo-Brazzaville dispose de nombreuses ressources hydrauliques. Cependant, l'accès à l'eau potable demeure un véritable problème de santé publique. Si l'eau, c'est la vie, donc indispensable pour la santé, au bien-être, à la sécurité alimentaire et même à la croissance économique, malheureusement, au Congo-Brazzaville, près de 80% de la population est en manque de cette denrée devenue rare depuis bien des années. Exposé au risque lié à la consommation d'une eau insalubre. L'eau, chez nous, là, ça fait déjà presque 10 ans. On n'a pas l'eau. Puis qu'on a mis le robinet chez nous là-bas, donc c'est comme des monuments. Les gens de l'Est nous laissent des factures. Hein. Nous laissent des factures. La population congolaise est parfois obligée de s'approvisionner en eau de pluie ou de pluie collectée à partir des toitures des maisons et stockée dans les récipients, bidons ou fûts en fer ou en plastique. Marmite en alu, quand elle ne peut accéder au forage privé faute des moyens financiers conséquents pour s'offrir des quantités suffisantes et potables pour répondre aux besoins de la famille.